heaven's love above. Oh my God, what? Oh my God. Okay. Oh, Jesus. Why? Oh, hey. Oh. Je suis en train de parler au téléphone. I'm unstoppable. I'm in for sure with no burn. I'm so powerful. Never single Wednesday. I don't need batteries to play. Unstoppable today. Unstoppable today. On va faire un ange dans l'eau. Wow. An angel. All right. Look at the wings. This is the head of the angel. Voilà un ange. Non, n'effacez pas mon ange. Don't delete my angel. Yep. We need to spread the skirt of the angel. Okay. That's a beautiful angel. Look at me now. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Bonjour. J'ai plein de messages pour vous. I put my arms. Oh my what? Oh Jesus, vous devriez voir ceci. Wow, this is beautiful. This is awesome. Hello, water. Oh my gosh, why are you coming so hard at me? Okay. Bonjour, miséricorde. On va essayer de se concentrer sur le message. On va essayer. We're gonna try. Oh my gosh. Oh my gosh. Okay, we're gonna try. Ah, la branche est partie. Non, le tronc d'arbre. Il est parti dans l'eau. Regardez la force de l'eau. Oh my word. L'eau est tellement calme. L'eau peut soulever, oh là là, de grands arbres, on va dire. Et je pense qu'il est temps que vous appreniez à fonctionner comme l'eau. L'eau absorbe n'importe quoi. L'eau peut absorber n'importe quoi. Et te le rejeter. Donc, l'eau peut absorber n'importe quoi, n'importe quelle saleté que tu mets dans l'eau. Si tu craches le venin, tu mets le pipi, tu mets n'importe quoi dans l'eau. Ça absorbe, ça dilue, ça rend inoffensif. Et après, ça vient dans sur un rivage, ça te le recrache. Vous voyez un peu ça? Moi, personnellement, j'ai beaucoup de leçons ces derniers temps qui m'enseignent à travers la force de l'eau. Regardez, vous ne pouvez dire où ça commence, où ça finit. Vous voyez? Vous ne pouvez dire ce qu'il y a là-dedans. Si on vous montre le nombre de richesses qu'il y a de là-dedans, ben, je pense que vous deviendrez Zengo. Ouais.
Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de choses dans l'eau et que personne ne m'ait dit? Waouh, regardez-moi le diamant que j'ai trouvé. Parce qu'en 1510, quelqu'un passait par ici, il a lancé son diamant dans l'eau. Oh, regardez. De l'or, parce que voilà, il y a de l'or qui était, je sais pas, il y a tellement de richesses. L'eau est puissante, l'eau ne se bat pas avec toi. What I don't discuss or argue with you. Là, regardez comment ça fait le tronc d'arbre. L'eau n'est pas là pour te dire je suis le plus fort, moi je suis plus fort que toi. Hein. Teste-le alors, viens alors te lancer dedans. C'est ça que beaucoup d'ennemis qui se sont attaqués à vous. Oh, 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 yes. Oh my God, this is so beautiful. Regardez-moi la force. Monsieur le tronc d'arbre, ne revient pas me voir, ok? Don't come to see me. Oh my God, j'ai laissé mes sandales là-bas. L'eau s'y va prendre mes sandales pour partir avec. Vraiment. Bon, continuons notre conversation. Bon, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je fuis l'eau. Attendez, je vais mettre mes babouches à l'abri et puis après on va continuer. Ah, là, ils n'ont pas encore emporté. Voilà, super. C'est là. Bon, messieurs les sandales. Oui, voilà, j'ai compris. Bon, on continue notre leçon. Je crois que je vais m'asseoir ici. Ok. Donnez-moi une seconde, je reviens. Je vais aller dans la vérité maintenant. On a commencé la formation spirituelle hier. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'apprendre votre pouvoir. Et beaucoup vous serez appelés dans les jours qui arrivent à couper. Vous devez couper. Oh my God! All right! Oh my God, this is fucking crazy. Why? Oh. Ok, excusez-moi. L'eau ici est... Regardez-moi ça, regardez. C'est fou ça. Ça me fait des vagues qui veulent m'éclabousser là. Alors que je suis le rivage. Bon. Je vais essayer de ne pas être distraite par l'eau. Vous êtes dans le train-train de Paris. Tu es dans le train-train de Paris et ça devient... fatigant parce que tu es dans une bataille énergétique. Certains d'entre vous, vous avez un pouvoir qui influence toute la ville, si ce n'est le pays dans lequel vous vous trouvez. Et l'ennemi a joué sur vous en vous mettant l'urgence de l'argent. Si tu arrêtes ça, tu vas faire comment? Certains d'entre vous, vous vous êtes déconnectés de votre mission et des gens qui pouvaient vous aider parce que vous étiez... ouais, voilà, tu m'as pris telle somme d'argent. Tu m'as... voilà, je ne peux pas laisser ça. Ils me disent de vous dire que la gloire qui est en train d'arriver dans votre vie est plus grande. Écoutez bien. Est plus grande que tout ce que vous avez imaginé, pensé ou encore que vous avez eu dans le passé. Et pour certains d'entre vous, ce que vous êtes en train de commencer à voir dans vos rêves ou encore ce qu'on vous révèle, ce sont des choses que vous auriez voulu faire depuis ça fait au moins trois vies. Trois vies. Ça fait trois vies
que tu essayes. Et dès que tu es en train de vouloir percer, soit tu meurs, soit quelqu'un vient, il te prend dans un truc, soit tu étais influencé par ta famille, tu avais peur d'eux. Et maintenant, en ce mois d'août 2022, tu es arrivé à un endroit, je vois une sorte d'apogée. Tu as atteint un sommet spirituel que tu essaies d'avoir depuis 300 ans. Ceux qui sont appelés, qui font ceci, qui comprennent ceci, vont comprendre. Est-ce que vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Ce que je dis là est très important. Je ne serais pas surprise que ça coupe. Vous m'entendez clairement? Fuck it. Ah. M'attendez. Bon, Aïcha m'entend. Qui d'autre m'entend, pardon? Ce que j'ai à dire est très important. Bon. Si vous n'entendez pas bien, vous pouvez regarder le différé. Après. What is this crazy? Ok. Bon. Je reprends ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure. Vous êtes à un sommet. Parce que la spiritualité, en fait, ça vient en vague. C'est un peu comme si une vague vient, ça augmente sur l'autre. Après, ça se met sur l'autre. Et si vous essayez de voir dans votre vie, il y a eu des moments où vous étiez très spirituel. Après, c'est parti. Après, tu as encore plus 5 ans avant de te sentir encore connecté. Vous êtes en train de repartir à un paroxysme spirituel. Et c'est quelque chose qui a commencé depuis un an. Je ne vais pas vous mentir. S'il y a quelqu'un dans cette vidéo qui m'a suivi avec le direct que j'ai fait sur l'eau le 19 août 2021, l'année passée. Si quelqu'un se rappelle du direct là, qu'il me dise. Pour moi, tout dans ma vie a commencé. Ça a commencé avec l'eau. Chaque fois que j'ai eu une étape spirituelle qui devait se déclencher dans ma vie. Et beaucoup d'entre vous, vous ne saviez pas comment faire les offrandes à l'eau. Vous ne saviez pas ça avant. Maintenant, vous avez, à travers ma page, vous avez compris comment parler aux éléments de la nature. Comment activer votre pouvoir? Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous ne pouviez pas accomplir ou activer certains aspects de votre pouvoir parce que vous n'aviez pas l'information. Donc c'est un peu comme un pop-corn qui va rester dans ta poche pendant 500 ans. Et soudainement, quelqu'un te dit, prends le pop-corn, tu mets dans la mamie, tu chauffes. Pour activer le pop-corn. Et tu prends ce pop-corn qui était là depuis 500 ans, en 3 minutes, tu as un pop-corn qui est activé, qui est prêt à être mangé. Alors qu'il était dans ta poche depuis 500 ans, sans avoir été activé. Beaucoup d'entre vous, ce que vous êtes appelés à faire sur le globe terrestre et même dans l'univers, parce qu'on me montre qu'il y en a parmi vous, votre puissance touche les galaxies. Ce dont c'est le cas, vous allez vous reconnaître. Je n'ai pas besoin de... Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis plus
On ne me pousse plus à faire des vidéos pour parler à tout le monde. Ce que je dis, c'est pour des personnes qui se sentent inconfortables. Tu as ton entreprise, tu as ton boulot de manager, tu as un bon salaire, tu es infirmière libérale, tu as l'argent, mais tu sens comme si tu n'es pas rassasié. Tu as besoin, donc tu sens comme si à l'intérieur de toi, il y a une famine. Instructions pour vous. Ce qui est en train de se passer énergétiquement, c'est quelque chose qui arrive une fois tous les 300 ans. Croyez-moi, croyez-moi pas, je m'en tape bien sûr, mais il y en a parmi vous, vous allez rencontrer vos âmes sœurs dans cette période. Et quand vous allez vous rencontrer, vous allez vous reconnaître instantanément. Donc tu vas rencontrer un homme, tu as fait 2 mois avec lui. C'est comme si tu le connaissais depuis 50 ans. C'est mon cas par exemple. Tu te dis, mince, c'est quoi ça? Parce que le genre, la façon dont les étoiles sont positionnées actuellement, il y a une ouverture énergétique qui donne sur la Terre. Et c'est un peu comme si le soleil brille sur les panneaux solaires. Si le soleil brille sur toi, ça va te chauffer, ça va te mettre mal à l'aise. Mais quand ça va sur le panneau solaire, étant donné qu'il y a des capteurs qui reconnaissent le soleil et qui transforment le soleil dans les panneaux solaires, les panneaux solaires vont accepter le soleil, transformer l'énergie du soleil et te redonner cette énergie sous forme d'énergie lumière ou bien je ne sais pas trop quoi. L'ouverture spatio-temporelle, c'est ça que j'entends, est tellement énorme. Et sur chaque continent, il n'y a pas beaucoup de personnes qui crient. C'est-à-dire qui annoncent ce que je suis en train de vous annoncer. Et ce n'est même pas beaucoup de personnes qui peuvent tomber sur les messages. Il y a des personnes qui vont écouter ma vidéo, c'est dans 5 ans. Je ne sais pas si à ce moment, il y aura encore l'ouverture. Donc vous allez devoir quitter de ce que tout le monde vous montre. Vous voyez ce qui est... Regardez comment l'eau me fait. Vous connaissez le common, non? Cherche à te marier. Cherche l'enfant. Cherche le boulot, non? Oh, ma reine, je veux le boulot. Ma reine, je veux le boulot. Vous allez shifter de ça. Je veux le boulot. Vous allez vous retrouver dans la dimension... Je me suis vue dans le rêve hier. Je mettais les mains sur les gens et guérissais. Je suis arrivée, il y a eu un accident, il y a eu des morts. J'avais mis mes mains sur les morts et ils se sont réveillés. Oh, oh, oh. Maman, la vague, c'est là. Hey, tu viens me chercher. Je sais, je sais, je sais. Donc, je précise que le numéro, les seuls numéros auxquels nous on répond, c'est le 680-71-0701 et le 693-50-22-66. Donc, s'il y a des gens qui ont des consultations en attente, on est en train d'éponger beaucoup de consultations. On a fini certaines consultations hier vers 22h. Donc, partagez le live alors, s'il vous plaît. Certains d'entre vous, vous allez changer d'activité dans maximum 4 semaines. On va te demander de fermer le business qui te donnait l'argent. On va te mettre totalement dans une autre direction.
certains, on va te... Tu vas fermer l'école que tu avais, tu vas ouvrir une école en ligne. Tu vas arrêter de vendre les vêtements que tu vendais. Tu vas vendre maintenant les produits spirituels. Certains, tu vas arrêter ce que tu faisais pour aller faire le la lecture de tarot. Le tarot. Oui, vous pouvez acheter les kits sans faire la consultation. On me montre beaucoup de shifts. Les shifts sont en train d'être faits. Beaucoup de shifts. Certains, vous allez quitter de votre ville. Vous allez vous lever un beau matin, porter vos affaires, vendre tout le reste, partir dans un autre pays. Donc, et quand tu vas arriver dans le pays, certains, c'est par force même. Certains, c'est pas, on va vous forcer. Genre, on te dit, bon voilà, tu venais seulement ici là pour faire 2 jours. On va en mission là-bas. Tu arrives en mission, tu perds ton passeport. Finalement, le boulot même que tu faisais, tu travailles pour eux là, ils te disent que bon, on va arrêter avec toi. Et on te dit que pour faire ton passeport, il te faut 3 semaines. Tu te retrouves en train de faire 3 mois sur place. Tu arrives là-bas, tu vas à la mer, tu vois l'eau, tu vois, te voilà, tu restes là-bas. Tu dis que non, moi, je vais vivre ici maintenant. Certains, vous êtes dans votre, la ville où vous êtes là depuis des années. C'est là-bas que tu t'es marié, tu as eu tes enfants, tu as divorcé. Et l'esprit te dit, mais à cœur depuis quelque temps, de déménager, tu vas dans une autre ville. Bonjour, le roi Martin John. La King, on m'a jamais appelé comme ça, ça c'est intéressant. La King. Je vous en prie. Donnez l'oreille. Prêtez l'oreille. Écoutez. Et faites ce qu'on vous dit de faire. Commentez, vous dites, je prête l'oreille. Écoutez. Certains d'entre vous, vos pouvoirs ne s'activeront pas tant que vous n'allez pas quitter de la ville où vous êtes. Certains d'entre vous, ils ne vont pas s'occuper de vous financièrement tant que vous n'allez pas quitter la personne-là. Tant que tu ne vas pas dire, ok, je me lance dans le spirituel maintenant, je me lance dans les produits spirituels. Tu achètes les cartes pour faire le tarot, je me lance dans le tarot. Voilà, je vais fermer le magasin si j'arrête. J'arrête. J'étais infirmière libérale. J'arrête aujourd'hui. Et la meilleure méthode pour arrêter et obéir à l'esprit, c'est de toujours te dire, si je me lève un bon matin, mes pieds sont paralysés. Si je me lève même pas, si je meurs dans la nuit. Mais attends. Mes clients vont aller ailleurs chercher une autre vendeuse, non? Mon mari va se remarier, non? Ça, c'est sûr que 2 mois maximum après, il sera allé en train de coucher avec une autre fille. Oui, venez me mouiller, mouillez-moi, je vous connais. C'est mais comment avez-vous non? Bon, merci pour le bain, merci, c'est gentil. Moi, je me tape des conversations avec les esprits, ok? Thank you.
il y a une personne en particulier, depuis, ils me sont en train de me dire que ils t'ont demandé depuis d'arrêter de vendre ce que tu vends. Ils t'ont dit que tu vas changer de source de revenus. Et tu as peur. Voilà mon mode de vie. Je suis habitué à payer mon loyer à 500 000 le mois. Vraiment, vous me dites de faire le lire les paumes des mains des gens. Je connais pas si ça va donner l'argent ou pas. Et là, tu te dis, après avoir écouté ça, tu te dis, je me lance. Quand je vois tout ce que j'ai appris en un an, j'ai commencé les produits spirituels, les consultations, tout ça. J'ai commencé ça le 21 août de l'année passée. Ça fait bientôt un an, jour pour jour. J'avais mon école, et ceux qui me suivaient l'année passée, j'avais mon école, le truc des vacances. Et le 14 août, ils me disent, va à Limbé. Mais autrement, voilà sur l'autoroute. Je peux vous donner les dates exactes parce que Google m'a rappelé, ça fait 2 jours, à m'envoyer les photos de mon voyage. Parce que je prends beaucoup de photos et je mets sur mon Google Drive. Donc, me voilà à Limbé. Je fais un pique-nique d'abord avec mes enfants. Après ça, ils m'amènent à Down Beach. Je suis arrivé là où il y a à la plage, là où il y a beaucoup de saleté là. Et vous savez quoi, les meilleures plages sont les plages qui sont sales. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il dit que quoi? Les meilleures plages sont les plages qui ont la saleté. Il vous dit. Parce que c'est pas beaucoup de personnes qui vont venir sur la plage là. Allez à Limbé. Au centre-ville de Limbé, il y a une plage là-bas. Ça s'appelle Down Beach. Down Beach est sale. Oh, 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 oh. Oh, Down Beach est sale. Tu arrives comme ça là, tu peux pas mettre ton pied. Donc, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas mettre ton pied. Donc, l'espace du pied, si le papa est au sol, sans qu'il y ait au moins deux trucs en bas de ton pied. Que c'est la saleté. Donc, moi, voilà, je pars à Down Beach. Je demande à mes enfants de m'attendre. Donc, ils restent en haut. Parce que Down Beach, il y a le haut et puis tu descends. C'est quand tu descends que tu vas devant l'eau. J'ai passé au moins 30, si ce n'est 45 minutes dans l'eau. Debout, comme ça là. Je regarde. Après 5 minutes, elle a commencé à me parler. L'eau, hein. Je sais que vous avez dit qu'elle, c'est qui? L'eau. Elle a plusieurs noms. Il y a certains noms qu'on vous donne pour ne pas vous faire peur, parce que vous avez trop regardé les dessins animés quand vous étiez petit. Et là, l'eau a commencé à prophétiser sur ma vie. De la même façon qu'elle est en train de prophétiser actuellement. Regardez, je suis bien. Elle a parlé. Les meilleures prophéties sont celles que tu reçois toi-même pour ta vie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est venu te dire de façon audible. Non. Tu restes. Tu écoutes la petite voix qui te souffle.
Et le truc, c'est que beaucoup d'entre vous vous sentez mal actuellement parce que la voix l'a tellement parlé, vous n'avez pas écouté. La voix a beaucoup parlé, vous n'avez pas écouté. Oh, 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 oh. J'ai compris, je vais le dire. Go you. Ok. Vous doutez trop. Ils sont en train de me dire de vous dire ceci. Pourquoi vous pensez que votre première maison c'était dans l'eau? Pourquoi vous pensez que dans le ventre de votre mère, vous étiez dans de l'eau? Pourquoi vous pensez que 70% de votre corps est fait d'eau? Vous pensez vraiment qu'ils vont vous amener dans le trou? Souvent quand je parle d'offrande à l'eau, on a offrande à l'eau aujourd'hui en passant. On va faire les offrandes à l'eau aujourd'hui. On va faire les offrandes à l'eau aujourd'hui. Écoutez, vous qui avez peur de l'eau là, c'est comme si tu fuyais ton corps. Le sang là, c'est l'eau. Ce qui est dans ton corps que tu dis que c'est le sang, c'est l'eau. Regardez. C'est l'eau qui permet que j'appuie comme ça, ça entre. C'est l'eau. C'est l'eau. Et beaucoup d'entre vous, celle qui a dit qu'on ne sait pas comment faire, vous avez été habitué. Dans le monde normal, vous a habitué que vient pour la formation. Quand il fait mes formations, hein, le premier jour, je connais les gens ici. Vous n'avez pas me mouillé avant qu'il rentre. Vous avez suivi. Ouais, Seigneur. En fait, il y a beaucoup de choses que je dois vous dire. Ils ont donné trop d'informations. Ah, Seigneur Jésus. C'est comment allez-vous, non? Regardez, mon habit a tout mouillé. Beaucoup d'entre vous, vous attendez qu'on vienne vous montrer comment faire. Mais il veut vous amener dans une dimension où vous êtes conduit par l'esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Écoutez, la Bible va avoir beaucoup de sens pour vous ces derniers temps. Hein. La Bible, the Bible is going to make sense. Il y a beaucoup de choses que je lisais dans la Bible quand j'étais à l'église. C'est quand je viens au bord de l'eau que ça a du sens pour moi. Regardez, c'est dans l'eau que ça a du sens. On vous a fait croire que vous êtes séparés. Il n'y a pas de séparation. Regardez, il n'y a pas de séparation. Tu peux te lever un matin comme ça là. On te dit, va faire ça, tu pars, tu fais. Ça te donne 5 millions. Les 5 millions là te permettent de vivre même pour 3-4 semaines. Pendant les 3 semaines là encore, ils te donnent encore, ils te connectent à un nouveau truc. On te dit, lève-toi, tu pars. Va dans telle ville. Va acheter ça. Tu te lèves, tu dis, je sais pas pourquoi, mais tout récemment, ça a beaucoup influencé mes deals, c'est-à-dire mes contrats de business. Genre, j'ai des personnes avec lesquelles je dis, ok, voilà, on va faire telle chose ensemble. Dans la nuit, je fais un rêve, on me montre le vrai visage de la personne. Genre, même si tu as déjà mis 10 millions dans le truc, laisse. Je me lève, je dis que, yay, est-ce qu'on laisse 10 millions? Ils me disent qu'on ne veut pas savoir. Donc beaucoup d'entre vous, vous restez, vous vous accrochez là où vous êtes parce que vous vous dites que vous avez déjà trop investi là-bas. Oh bonjour Monsieur Soleil, oh my God, oh my God. Regardez Monsieur Soleil,
J'ai nommé un de mes chiens Soleil d'ailleurs. Bonjour Monsieur Soleil. Regarde comment il se cache, il est un peu timide. Bonjour. Bonjour. Ange Bams, quand on va faire les offrandes à l'eau, en fait, c'est ça le but. On va en parler en votre nom. Tu as compris? Voilà. Donc, beaucoup d'entre vous, vous vous dites, oh, c'est moi qui ai construit la maison ici. Oh, je ne peux pas quitter d'ici. Écoutez, ma chérie, quand tu vas mourir, on va t'enterrer. On va laisser la maison, non. En fait, c'est ça, en fait, qui vous êtes encore attaché au bien. Il y a encore cet attachement-là et ça vous fait mal. Parfois tu restes comme ça là, tu imagines même seulement qu'on va prendre ta maison un jour, ça te fait mal. Tu dois te détacher, tu dois absolument te détacher, c'est très important, c'est vital. Tu dois te détacher. Parce que tant que tu ne te détaches pas. Wouhou! Yay! Il y a celui qu'on appelle Richard Branson. Avant que Richard Branson atteigne le sommet qu'il a maintenant, il a déclaré faillite au moins deux fois. Genre, le genre de faillite où il perd tout. Il doit recommencer à zéro. Et ce ne sont que les deux fois qu'il a dit en ligne, qu'il partage avec les gens. Donc, je suis sûr qu'il y a plus que ça. Oui. Maintenant, vous devez arriver à un niveau où... ce que l'esprit vous dit est bien plus intense et plus vrai et plus palpable que ce que votre environnement vous montre. Good morning, Isabelle. Parce que c'est la seule condition dans laquelle votre pouvoir va... parce que parfois, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Seigneur, garde-moi dans ce boulot. Active mes pouvoirs, Seigneur. Seigneur, garde-moi dans cette maison. Montre-moi ma mission de vie, Seigneur. Seigneur, je veux impacter le monde. Mais je veux rester dans cette maison. Ouais. Moi, je veux rester ici, là, dans cette ville. Alors que ton impact, tu ne peux l'avoir que si tu pars. Bon, il y a un détail aussi que je dois vous dire. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait beaucoup de travail spirituel depuis 3 mois au moins. Ils me disent de vous dire que tout ce que vous avez fait, chaque 5 francs que vous avez dépensé, c'est un peu comme si c'était collecté dans un vase. Et ce n'est pas perdu. Parce que parfois tu fais beaucoup de travail spirituel et tu as l'impression que c'est comme si ça n'avance pas. Hier, j'ai fait le direct hier. Ouais, Seigneur Jésus, mouillez-moi, je vous en prie. Je vous prie, mouillez-moi. Je m'assois n'importe où. Vous devez venir. Hein? Oui, allez-y, voilà, ne vous dérangez pas, ne vous gênez pas. Merci, Bérène. Bon, les offrandes à la mer, il y a deux types d'offrandes à la mer. Il y a les offrandes collectives, il y a les offrandes en VIP. Donc, les offrandes collectives, c'est un peu comme tu envoies tes intentions, tu envoies ton nom. Ça coûte 20 000 francs. Et puis, on met tout un ensemble de personnes ensemble et on fait le travail. Et puis, les offrandes individuelles, c'est 45 000 francs pour le moment. Hein. Bah, vous savez que j'augmente tous mes prix tout le temps. Donc, je peux vous dire dans 2 semaines que c'est 60 000, même 100 000. Mais pour l'instant, c'est 45 000. Là, c'est en individuel, c'est-à-dire... quand on verse, on parle seulement pour toi.
Les offrandes à la messe sont très puissantes, franchement. C'est fou que vous avez fait tout ce que vous avez fait. Oui, 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 oui. Mais vous n'avez... Très souvent, vous n'avez pas pensé à l'eau. Bon, les offrandes à la mer, c'est pour ceux... Il y en a qui n'ont pas la mer. Il y en a qui sont déjà partis à la mer eux-mêmes. Et maintenant, ils veulent que ce soit moi qui le fasse pour eux. Et puis, il y en a qui n'ont même jamais fait. Vous savez pas ce que c'est. Voilà, donc... pendant la cérémonie, vous allez voir ce que c'est. Je crois que je vais causer une marée haute ici, là, en pleine matinée. Ils ont beaucoup de choses à vous dire, vraiment. Si vous avez de l'eau dans votre ville, faites l'effort de partir là-bas au moins pour 20 minutes aujourd'hui. 20 minutes. Vous asseyez. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, ce n'est que ceux qui vont obéir, qui seront... qui vont être... qui vont traverser de l'autre côté. J'insiste beaucoup sur les sources de revenus parce que il y a beaucoup d'entre vous, vous vous dites, mais je vais payer mon loyer comment? Je vais faire comment pour telle chose? Écoutez bien. Vous devez être comme un ballon dans l'eau. Le ballon flotte. Ange Bams, arrête de demander là où je suis. Il t'a dit qu'il va te bloquer un jour de ma page. Il passe souvent, on ne se comprend pas. Il t'a dit qu'il va te bloquer, Ange. Tu es à rentrer, rentrer où? Ne me posez pas les questions. Vous devez être comme un ballon qui flotte. Un ballon ne s'inquiète pas que est-ce que je vais me noyer? Est-ce que j'aurai à manger? Où est-ce qu'on part même? Monsieur le capitaine, capitaine du ballon, on va où? Le ballon est seulement là. Il prend son cul, il met dans la bouche. Il sifflote un peu. C'est là que vous allez voir les miracles dans votre vie. Vous allez commencer à faire les miracles. Les choses que vous avez cherchées depuis longtemps. Tu veux te marier. Je veux me marier. Je veux me marier. Ton mari est à Bafoussam. Toi, tu es en Gaoundéré. Chaque jour, Dieu te dit, ah bah, aménage à Bafoussam, non. Va pas à Bafoussam. Un jour, tu passais dans bus comme ça, là. Tu es passé dans la ville de Bafoussam. Tu as aimé l'atmosphère, tu as aimé quelque chose, t'a dit que reviens dans la ville ici. Aïcha Nana, comme tu as peur de l'eau là, tu vas seulement vider ton sang alors parce qu'il y a l'eau dans ton corps. Aïcha, comme tu as peur de l'eau, tu dois vider ton corps de ton sang là. Parce que là, ton sang c'est de l'eau. Ça veut dire que tu dois avoir peur de ton sang. Qu'est-ce que je dois leur dire d'autre? Qu'est-ce que je dois leur dire? Voilà, il me parle de l'abondance. Il y a beaucoup d'entre vous que vous allez voir une dimension d'argent. Tu pensais que l'année passée, tu avais l'argent? Tu pensais que tu avais l'argent? Tu faisais avant les deals. Tu avais besoin de 10 clients pour avoir 10 millions. Maintenant, tu vas avoir un client, 20 millions. Bam! Reçois ta part. Tu te lèves comme ça là. Tu sirotes un peu ton petit. Tu te cuis un peu les dents. 3 jours plus tard, tu as une idée. Tu vas à Dubaï, tu fais une transaction, tu reviens avec au Cameroun ou bien à, je sais pas où. 40 millions. Vous êtes en train d'entrer dans une autre dimension d'abondance. Elle parle comme ça, elle sent comment tout mon corps est en train de vibrer. Oh, oh, j'ai hâte. J'ai hâte de voir la dimension là pour moi-même parce que... Certains d'entre vous, vous avez des grands rêves. Genre, vous voulez les grosses voitures, vous voulez... Ils me disent de vous dire que ce ne sera pas avec votre tête comme ce que vous faites actuellement là que vous allez avoir la voiture que vous voulez là. Ta Range Rover ne va pas venir en vendant tes petits trucs que tu as le bénéfice de 50 euros. Tous les 3 jours, 50 euros. Tous les 4 jours, 50 euros. Ça ne va jamais t'acheter la Range Rover. Donc, oublie. Forget about that. Vous aimez dire je reçois, mais vous n'aimez pas obéir.
powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Ouais, qu'elle ne va mouiller. Oh là 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 là. Oh là là. Bon, je sais que vous n'en faites qu'à votre tête, donc allez-y, ne vous gênez pas. Mais ne vous gênez pas, hein. Don't bother yourself, ok? Don't bother yourself. Just act as normal, you know. Act as normal. Just like I'm not here, you know. You know what I mean? Bon, je me fais des conversations tout le temps dans ma tête, tout seul. Donc, si vous écoutez mon direct, vous devez supporter. Alright. I put my hand around you, you are strong I am. Parlant d'abondance. Quand tu parlais, tu dis que tu veux l'argent, tu veux les jets privés. Tu avais ta... Donc, tu as regardé les vidéos sur YouTube, tu te disais que bon, comme Tony Robbins a fait comme ça là, comme telle personne a fait comme ça, ça veut dire que le moyen d'arriver là-bas, ils me disent de vous dire d'oublier. Forget that. Forget. Oubliez. Oubliez. Ça ne se passera pas comme ça. Beaucoup d'entre vous, vous allez créer de nouvelles choses. Et ils me disent de vous dire de regarder en arrière. Ce que vous faites comme activité dans votre famille, personne ne fait ça. Maintenant, vous allez devenir le premier et le seul, pas seulement dans votre famille maintenant, mais même dans votre ville. La seule personne à faire ça. Véran Mambi, this is not the place. Tu as compris, ma chérie? I'm unstoppable. Don't need batteries to play. Powerful. Every single. I'm so confident. I don't need batteries to play. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Vous allez être carrément le seul dans votre ville, peut-être même dans votre pays, à faire ce que vous faites. Vous allez être le seul, pour certains d'entre vous, on me dit, sur la terre, à faire ce que vous faites. Les gens vont quitter des États-Unis. Je dois prophétiser now. I need to prophesy. Ok. La prophétie, c'est quelque chose que tu vois dans le futur de quelqu'un. Quelque chose de positif que tu vois dans le futur de quelqu'un, que tu dois lui dire. Et quand tu dis, ça active l'accomplissement de cette chose dans la vie de la personne. C'est comme si les esprits ont besoin que ce soit parlé par une personne et que ce soit entendu par la personne dans la vie de qui ça doit se réaliser. Et généralement, celui qui prophétise lui-même aussi, il prend une partie de la prophétie. Donc, je commence la prophétie. Ok. Beaucoup d'entre vous, vous allez créer. Je vois des instituts. Je vois des centres de formation spirituel même. Je vois des écoles où vous enseignez. Et vous avez des pouvoirs particuliers que l'esprit vous a donné. Vous avez été très incompris dans votre famille. Vous avez été très incompris dans votre famille. Maintenant, vous êtes en train d'entrer dans une phase où vous avez décidé d'oublier tout ce que votre famille pense. Donc vous avez décidé que ma famille ne m'influence plus. Et vous allez commencer à faire ce qui est hors du commun. On dit, mais personne dans notre famille n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Certains parmi vous, la présidence, vous allez partir à la présidence dans les 12 mois qui arrivent. Oh my God, this is so powerful. Je ressens tellement de puissance ici-là. Vous allez partir à la présidence. Dans quelques mois, vous serez en train de chercher la bille que vous allez porter. Et certains me disent que ce sera même pas seulement dans votre pays. On va vous faire voyager pour aller dans un autre pays. Et quand vous allez arriver là-bas, vous serez reçu par les personnalités. Écoutez bien.
Certains d'entre vous, vous serez comme un feu d'artifice. Vous allez... C'est votre moment d'exploser. Vous voyez que quand tu prends le feu d'artifice, tu l'as tiré, tu tires. Donc tu arrêtes. Je vois un peu comme si on doit vous démarrer avec... voilà, tu vois là, la grenade. Il me montre la grenade. Que pour certains, vous serez comme les grenades. Quand tu prends la grenade, tu dois tirer le fil d'abord. Quand tu tires le fil... Tu lances. Donc vous êtes comme une grenade dont on a retiré le fil. Vous allez exploser dans tous les sens. Et quand vous allez exploser, ce sera pour vous multiplier. Vous entrez dans une phase de multiplication exponentielle. Et ça va se faire sans que tu ne comprennes même comment. Parce qu'il y a des projets que tu essaies de mettre sur pied depuis des années. On s'est moqué de toi. Tu as perdu beaucoup d'argent là-dedans. Tu as commencé, pap, c'est tombé. Tu as commencé, pap, c'est tombé. Tu as fait ça au moins 6 fois. Et tu es à la risée de la famille. Et il y a même parmi vous, vous avez investi dans certains hommes. Tu as rencontré un homme, son langage t'a plu. Tu as pris ton argent, tu as investi sur lui. Il est parti avec. Pour certains, c'était comme un père pour toi, c'était comme un mentor, mais il profitait de toi. Pour certains, c'était comme un amant. Pour certains, c'était comme un fils. Ils me disent de te dire que la somme avec laquelle il est parti, ou bien la somme qu'il t'a pris au bout d'une certaine période, tu la totalises, tu la multiplies par, tu ajoutes un zéro sur ça. Et tu vas les laisser t'apporter ça, que ça va, tu vas t'asseoir. Vous voyez comme l'eau là vient me trouver ici là, non? Ça va venir te trouver. Tu vas lancer un business. C'est même quelqu'un qui va voir ta chose, il va prendre. Quelqu'un, on me montre quelqu'un qui va venir te donner même une idée de business. Mais est-ce que tu sais que... mais donne-moi, regarde-moi le truc, donne-moi ça, je vends. La personne va prendre ça, mof. C'est comme s'il va mettre le feu sur le, dans un sac de pop-corn. Ouais, le sac banjo de pop-corn, non. C'est comme s'il a mis le feu, il a pris la grenade, il l'a lancé dedans. L'argent va justement t'assaillir de tous les côtés. Tu dis que yay. C'est la restauration. Écoutez très bien. Donc je précise que nos numéros de téléphone, c'est le 680-71-0701, ça c'est pour le Cameroun. Orange Money, MTN Money, 693. De Give Giga Academy, tu as mis 690. Donc change ça de Give Giga Academy. 693-50-22-66. Non, je replonge dans mon prophétique. Ok. Certains d'entre vous, vous allez vous éloigner pour une petite période. Ils vont te faire partie d'un autre environnement. Et quand tu vas arriver là-bas, on va te voir comme une reine. Vraiment, ils me disent que littéralement, comme en anglais, on dit literally, you know, literally, littéralement, tu vas arriver et... On va te traiter comme une reine. Tout, donc, voilà, voilà la parole qu'on me dit. Un prophète n'est jamais le bienvenu chez lui. Beaucoup d'entre vous, vous allez devoir quitter. Et il y avait un pays que tu voulais demander le visa depuis. Quand tu vas lancer ta procédure de visa comme ça, là, tap, on va te donner. Écoute bien. Je sens les directions qui vont changer la vie de certaines personnes maintenant. Là, que tu vas faire, tu vas bouger totalement. Quand tu vas arriver dans le pays là, en fait, les entités, les ancêtres de ce pays t'attendent depuis longtemps. C'est pour ça que tu as été autant bloqué depuis. Écoutez-moi bien, je n'ai jamais senti autant le pouvoir dans moi que je suis en train de parler. Quand tu vas
arrivée, même de l'aéroport. Bienvenue, ma reine. Et c'est comme si tu prenais un nouveau départ. Et là-bas, ils vont te faire te reposer énormément. Et quand tu vas te reposer, ta vibration va monter. Quand tu vas te reposer, ton énergie va remonter, va se remplir. J'entends le mot se remplir. Et quand tu vas te lever, même ta démarche, sérieusement, je vois certains d'entre vous, votre démarche va changer. Et ils me disent que vous devez oser, qu'il y a les choses qu'on vous a dit que ça ne pourra pas se faire. Genre, tu vas arriver à un endroit, on va te dire que madame, on ferme normalement à 16h. Tu arrives là-bas à... Oh my God, l'abondance. Je ne veux pas vous mentir que... L'offrande à l'eau qu'on va faire tout à l'heure, là, ce sera le feu. Je vous dis que c'est... Oh my God. Écoutez, vous devez être le genre que vous savez quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Vous devez savoir quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, tu dois sentir. Donc tu te lèves le matin là comme ça, tu sais que j'ai même un 15 millions qui arrive. Tu sais. Et quand tu te lèves, tu marches comme si l'argent était dans ton compte. L'offrande à l'eau, c'est une sorte de service. C'est un service, voilà. Service religieux, je ne vais même pas dire religieux. L'offrande à l'eau, c'est l'offrande à l'eau, capissé. Si tu ne connais pas, tu laisses. Moment. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas ce que je te dis. Tu n'écoutes pas souvent mes vidéos. Ok? Il y a les vidéos où je vous ai dit comment allez-vous même faire l'offrande à l'eau. Il y a des vidéos où je vous ai dit. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont payé que moi, je parte faire l'offrande à l'eau. Donc, je parle en leur nom. Voilà. What? Wow. L'offrande à l'eau, ça se fait. Vous avez payé par Orange Money. Ceux qui sont au Gabon, vous payez par Airtel Money. Oh, voici un ange. Oh, voici. Oh. Bonjour. Oh my God, ils sont deux. Il y a l'offrande. Attendez. L'offrande, c'est qu'il y a pour 45 000 et il y a pour 20 000. Attendez, ils sont en train de me dire des choses. Je vois deux anges. Ils disent que beaucoup d'entre vous, si c'est comme si vous allez être dans un bateau de plumes. Voyez-vous comme dans une baignoire qui est en plumes. Et la baignoire est sur l'eau. Vous savez que les plumes ne rentrent pas dans l'eau, non. Les plumes et l'eau, ça ne rentre pas automatiquement. Et ils sont en train de vous envelopper dans leurs ailes. Donc, toute l'abondance que je suis en train de vous dire, qui est en train de venir, ça va se passer tellement facilement. Donc, je vois beaucoup d'entre vous. Hier, il y a une de mes filles qui me disait, elle a écouté Steve Harvey. Et Steve Harvey disait que quand tu connais ta mission de vie, quand tu connais ta mission de vie,
Tu te fais de l'argent, mais en t'amusant. Donc, le numéro pour Orange Money, c'est 693 50 22 66. 693 50 22 66. Waouh. Merci. Waouh. Je sais que vous sentez ça en vous là-bas, je le sais. Vous allez rentrer dans une période de... L'argent va venir à toi. Donc tu te lèves, tu parles. Quelqu'un que tu devais courir derrière lui 2 mois pour qu'il te donne, 500 000. Tu restes comme ça là. Un petit appel. D'accord, oui, je t'envoie les 5 millions là. D'accord. Bam, il te vit l'argent. Calmement. Vanessa, pardon, ne venez pas vous connecter à mon offrant dans l'eau pour rien. Il ne veut pas l'esprit de pauvreté ici là. Vous avez subi. Que je n'ai pas l'argent. Je vous ai dit, cherchez l'eau dans votre ville. Vous partez là-bas, non. Pas avec un paquet de biscuits ou le bonbon à coloniser. Tu le donnes là-bas. Vous ne pas venir me commander. Me dit que vous mettez l'esprit de pauvreté sur la page ici. Que je me connecte, je vais trouver l'argent. L'argent est parti où? Bonjour mes anges. Ils sont 3 maintenant. Vous devez quitter de la conscience de je n'ai pas. Je vais chercher. Je vais trouver. Je vais... Arrêtez. On va faire ça à l'eau à 12h. Il est quelle heure? Ouais, 12h. 7h45. On va faire ça à 12h. Ils me disent aussi que ceux qui ne peuvent pas, vous aussi, prenez de l'eau, vous mettez dans un seau. Prenez un seau d'eau. Et vous parlez dessus. Après, vous allez verser l'eau en route. Vous dites que comme je verse ça là où les gens passent, ça coule. C'est comme ça que ma vie coule aussi, que mes choses marchent. Numéro MTN 680-71-07-01. Numéro Orange 693-50-22-66. Et vous faites une capture d'écran si jamais vous voulez participer à l'offrande à l'eau. Ceux qui veulent le VIP, vous faites aussi. Il y a le PayPal aussi. PayPal Aurélie Michel @Auréliemichel2017@gmail.com. En tout cas, tous les détails sont sur la page. Donc, je continue parce que je crois qu'on est dans un moment très intense. Voilà, il me parle de ceux qui étaient en préparation. Vous étiez en préparation. Oh my God, je sens tellement de puissance dans mes mains. Ok, mettez votre main sur l'écran. Mettez la main sur l'écran. Déposez la main sur l'écran. Voilà. Je commande à vos anges de se connecter à vous à travers cette main que vous connectez avec ma main. J'active vos dons spirituels. Je restaure votre puissance. Je ferme les trous sur vos mains. J'active votre pouvoir d'attraction financière. Que tout ce dont vous avez besoin vienne. J'ouvre vos oreilles. Pour certains d'entre vous, ils sont en train d'ouvrir vos oreilles. Waouh, il y a tellement de pouvoir là. Si ce n'est pas moi qui tenais le téléphone, peut-être je serais en train d'entrer en transe. Waouh! Jesus! Certains d'entre vous, vous aurez envie de parler en langue. Allez-y, parlez. Parlez. Ils me disent de vous dire que vous allez attirer tellement. Vous allez beaucoup attirer. Les gens vont venir à vous.
l'assistance dont vous avez besoin. Tu as toujours cherché une fille qui va tenir ton magasin pour que tu fasses autre chose. Tu vas rencontrer une jeune fille aujourd'hui comme ça au hasard, bêtement. Elle va venir à toi, vous voyez? Il me dit de vous dire qu'elle va venir à vous. Certains d'entre vous, vous allez aussi apprendre à gérer votre staff. Beaucoup d'entre vous, avant, vous faisiez fuir vos collaborateurs par votre attitude. Donc, ils me disent de vous dire qu'ils vont aussi vous aider dans ce sens. Vos capacités de management vont s'améliorer intensément. Vous allez vous asseoir, ça va venir à vous. On va t'appeler que j'ai un conteneur de telle marchandise, tu veux. Je dis que c'est quoi? Je dis qu'on a besoin. Je dis que non, j'avais un excès, je voulais te donner l'autre là pour que tu vendes. Vends avant de me donner l'argent. Yes, Riba Shada. Le roi James. Oh my God. Tu as écrit en langue. Rababa Shikaraba Santere Oshika. Ikaroba Shandere Oshikaraba Santre. Oraba Kikraso Rambresh Karasi Kantor. La Reko Sokorobo Shikanda. Vous êtes en train de vous élever. Il y en a où vous êtes comme des maîtres. On appelle ça Ascending Masters. Ascending Masters. Vous êtes en train de vous activer. Jésus n'était pas le seul. Il était peut-être le premier, mais il n'était pas le seul. Donc, il y en a qui ont beaucoup de pouvoir. Parfois, vous sentez comme si vous êtes carrément Jésus-Christ. Donc, il y a une activation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un portail qui est en train de s'ouvrir. Donc, je vois en fait comme une connexion, comme s'il y a quelque chose qui est dans du ciel là-bas qui est en train de descendre. C'est en train de descendre. Donc, recevez ça de là où vous êtes. Recevez! Yes. Certains, vous allez devenir très puissant. Tu vas pas savoir ce que tu as fait. Les gens ont peur de toi maintenant. Tu dis quelque chose comme ça là, mais ils mettent ça en pratique, hein. Alors qu'avant tu parlais comme ça, la mof, personne avait honte de dire, ah pardon, si c'est elle là, il faut laisser. Vous êtes en train de recevoir la puissance verbale. 1 Samuel chapitre 2. Le Seigneur était avec Samuel, aucune de ses paroles ne tombait au sol. Tout ce que Samuel disait. Voilà, le docteur dit que c'est comme si on tirait sa main. Vous devez croire en ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas ici là où vous m'amusez avec vous. Vous êtes en pleine restauration. Vous êtes en pleine restauration. Il y en a... Il y a un passage de la Bible où ça dit que Jacob, il était dans le wilderness, dans le désert ou bien un truc comme ça. Et il a dormi quelque part. Et il a rêvé la nuit qu'il y avait une échelle qui montait au ciel. Donc je vois vraiment cette connexion-là avec le ciel. Donc le ciel et vous. Le ciel et vous. Il y a cette connexion. Et je vois carrément vous allez votre commandement sur les anges. Waouh, 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 waouh. L'abondance. Votre commandement. Donc vous allez commencer à parler. Tu restes comme ça, tu dis que j'ai envie de ça. Tu dis, j'ai envie. L'autre jour, je marchais. C'était hier, avant-hier. Je dis à mon mari que j'ai envie de marier l'avocat. Je vous assure que 5 secondes plus tard, je vois un vendeur d'avocat. Donc, c'est comme si. 5 secondes plus tard, je vois le vendeur d'avocat qui passe. Genre, j'avais à peine fini de dire que je veux marier l'avocat. Ça, c'est le degré dans lequel vous êtes en train d'entrer maintenant.
Voilà, Chantal dit que dès que sa main a touché son corps, elle est en train de parler en langue. Kéline dit, beaucoup d'entre vous entendent parler en langue parce que votre bouche est en train d'être restaurée. La puissance de ta parole. Donc, vous êtes le genre que quand vous allez commencer à dire quelque chose, ce sera BAM! Quelqu'un vient, il t'attaque un peu comme ça là. Tu demandes qu'elle t'amuse, toi et moi. Il me dit, je dois vous donner ce témoignage ici là. L'année passée, j'ai connu quelqu'un. On a commencé les affaires ensemble. J'ai pris beaucoup de mon argent, j'ai investi sur, sur ce que la personne faisait. Parce que je trouvais que bon, c'était pas beau. Et bon voilà, si on passe en partenariat financier, j'investis, on embellit la chose, ça fait rentrer les clients. Quand les clients viennent maintenant, l'argent de ça, on se divise. Il me dit Fionfion. Bon, il me dit oui. Et dès que le premier client vient, il m'enlève de tout, il ne me parle plus, il me coupe de tout. Il part. Quand il est parti comme ça là, il a fait 3 mois. Le Seigneur a commencé à me donner tout ça, l'abondance financière, le truc des choisis. Quand ça a commencé l'année passée, en l'espace de 6 semaines, j'ai aménagé mon bureau, j'ai acheté les clims, j'ai mis l'abondance. Donc, si vous voyez l'eau, si ça venait, je me lève comme ça le matin, Dieu me dit que tu vas avoir 700 000 aujourd'hui. Bam! Le soir, j'allais dans ma main comme ça là. Donc, c'était comment on peut vous dire ça? Donc, la personne part donc. 3 mois plus tard, quelqu'un me contacte. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Je dis, ok. Il arrive d'abord. Il voit mon nouveau bureau. Il voit Jamina, il voit tout ça. Il s'assoit. Voilà, je suis venu demander ton aide. Voilà, ma voiture, le moteur de ma voiture a coulé. On me dit qu'il faut 1,5 million pour arranger. Minimum. Le moteur coûte 1,5 million avec la main d'œuvre et tout ça. Voilà. C'était en fait un local qu'on avait pris. On devait faire du Airbnb. Voilà, j'ai pris un locataire, j'ai mis là-bas. Il est arrivé, il a fait 3 jours. Il a eu une panne sur quelque chose. Il s'est énervé, il est parti. Alors qu'il avait réservé pour 1 mois. Donc quand il m'avait fait ce couteau dans le dos, parce qu'il avait vu le Airbnb de 1 mois, qu'il allait dire que mince, 1 mois, peut-être à 30 000 par jour. Donc il avait vu l'argent comme ça là. La personne est venue, elle a fait 3 jours dans son logement. Il y a un truc qui n'allait pas, la personne est partie. Et il y a cette chose qui s'est gâtée dans le logement là, a fait le genre qu'il ne pouvait même plus louer son logement. Il vient, il me dit, ouais, est-ce que tu peux m'aider? Oh my God, je vous assure que je n'ai jamais savouré une vengeance, que ce n'est même pas moi qui avais donné sur quelqu'un aussi rapidement. Je suis resté comme ça là. Je lui ai dit que j'ai l'argent, mais il ne veut pas te donner. Tu as compris? Oh, il a mis sa queue entre ses jambes, il est parti, comme un chien galeux. Quand il est parti, je suis resté comme ça, l'esprit me dit, tu n'as pas besoin de voir la rétribution des méchants. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont fait et qui vont encore te faire du mal. Mais ce ne sera pas à toi de te venger. Je vous assure que ce que la personne m'avait pris, j'ai ajouté 2 zéros sur ça au moins dans le mois qui suivait. Le Airbnb, comment ça se passe au Cameroun, ça marche? Il dit que donc la restauration financière qui est en train de venir en vous. C'est le genre que tu as les gens qui te doivent 5 millions. Ajoute 2 zéros sur les 5 millions là. Ajoute 2 zéros sur les 5 millions là. Sache que c'est ce que tu vas recevoir dans les 12 mois qui arrivent. Je ne sais pas si c'est l'Atlantique. Ça, c'est, je suis à Libreville. Voilà la route là-bas. Vous savez que l'un des plus grands sirois se trouve ici. Donc, sirois des mers.
Bon, ça c'est pour les gens qui sont un peu plus spirituels. Vous avez... Il y a certains business que vous faites actuellement qui vous suce beaucoup d'énergie. Et cette énergie... Tu en as besoin. Il y a une pierre bien noire là-bas. D'accord, j'ai compris le roi Wafo. Je vais regarder. C'est que toi là, tu vois souvent les choses, tu me dis. Le roi Wafo, écris-moi sur le 693. Tu as compris? Donc aujourd'hui, je envoie le message, mais c'est sur l'autre numéro. Écris-moi sur le 693. De telle façon que quand quelqu'un vient vous faire mal, donc quelqu'un vient toucher ton cheveu comme ça là, allez, je vais voir, c'est pas arraché un de mes cheveux. Allez, ah voilà un cheveu. Quelqu'un vient te faire mal aux cheveux comme ça, il ne sait pas qu'il attire la malédiction ou bien les flèches d'au moins 20 000 entités. Parce que tu es... Le VIP, c'est 45 000, madame. Parce que tu es protégé à un degré. Et il est temps que vous connaissiez votre puissance. Vous voyez? Voilà, Vérène, beaucoup de travail d'énergie dans Airbnb. Et il y a les faux, les Decepticons qui viennent dans ton... Ils aménagent chez toi, après ils te partent, ils te laissent des mauvais commentaires. C'est Airbnb, c'est un truc qui prend beaucoup d'énergie. Si vous faites dans le Airbnb et Dieu vous demande d'arrêter, écoutez. Ça veut dire qu'il y a d'autres filles. Il y a un autre moyen d'avoir l'argent qui attend de venir à vous. D'accord, tu livres le lait dans les magasins. Rester comme ça, tu commandes la pluie. Tu peux arriver au bord de l'eau en l'espace de 5 minutes, la marée haute. Est-ce que vous connaissez même? Ah, comment voir parce que les gens te pointent pour 5 francs. Ah, n'est pas c'est Jocelyne qu'on connaît là. Quand elle leur parle, les filles comprennent. Mais c'est pas ces chaussettes-ci là. La reine. Ah, souvent elle reste comme ça moi-même. Je me rappelle encore bien de mon pouvoir. J'ai dit que gars, non, je suis pas n'importe qui. Et souvent j'oublie un peu, je marche comme ça, il marche. J'arrive quelque part. Pap, il y a une manifestation qui commence. L'esprit me dit, c'est toi qui as causé ça. Il fait, ah, c'est une vidéo. Non, je blague. Je fais pas, c'est une vidéo, mais bon. Ah, Jocelyne. Je suis très marrante. J'aime être marrante. Ça me plaît. Ok? Il y a des villes où l'énergie shift parce que tu es là-bas. Il y a des villes que quand tu entres, dès que tu passes le seuil de la ville, on avertit. The queen is here. Allez, arrangez-vous. La reine est là, la reine est là. Tu parles même de quoi? Ah. Et ah. On dit souvent que et ah. Et ah. Est-ce que vous me connaissez? Hey, ah. Yeah.
des gens que quand ils entrent dans votre vie, ils ne deviennent plus jamais pauvres. Donc ils savent que comme je suis avec la reine Jocelyne, je ne manquerai pas. I will not lack. C'est fini la pauvreté, fini dans ma vie. Est-ce que vous connaissez l'effet que vous avez sur les gens? I'm so powerful. I don't need batteries to play. Ouais, regardez comment il confirme ce qu'il dit. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Et beaucoup d'entre ces personnes connaissent. Ils sont partis, on leur a dit. Le gars, la fille est devenue trop puissante. C'est pour ça qu'ils m'ont mis t'attaquer dans la journée. Tu sais que tu n'as pas toujours été une bonne mère, non? Tu sais ça, non? Tu sais que dans le passé, tu étais... Ils veulent jouer sur ta psychologie. Tu sais que tu as toujours... Il y a eu des moments où tu n'avais pas l'argent, non? Donc vraiment, tu sais qu'il y a eu des moments... Tu as eu trop de relations. Tu sais que tu as dans les cinq derniers mois, tu étais avec cinq gars. Donc tu n'es pas stable pour t'occuper de ta fille. Ils connaissent jouer sur votre mental. Ah! Oh my God! Ok, j'ai compris. Ouais, Seigneur, les gens, là, ils m'ont tout mouillé. Ils m'ont tout mouillé. Ça va. Ça va. Il n'y a pas le... Je voulais pas que mon téléphone se mouille en fait. Oh my God. Vous savez, les gens de l'eau sont très marrants. Hein. Ils ont un sens de l'humour qui est particulier. Au début, quand je testais encore. J'arrive souvent aux alarmes. Ils me disent quelque chose. Je dis ok, si c'est vraiment vous, hein. Si c'est vraiment vous, donnez-moi une vague. Tu vois ça là, tu vois une vague vient, ça fait ouh. Ok, d'accord. Après tu restes encore. Tu dis c'est vraiment vous, hein. Fais la marée haute. Écoutez, là, le degré où je suis là, moi et Riz, c'est avec eux. Ils sont très marrants. Les gens de l'eau, ils ont un sens de l'humour que, si seulement vous saviez, ils sont très, 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 très funny. Ouais, Seigneur. Ouais, le roi Wafo, ils sont très... Je sais pas, il y a... C'est un peu comme si c'était, tu vois, c'est même pas que un peu comme si, ce sont nos gens, tu vois. C'est un peu comme si tu voyais ta soeur, tu dis que non, j'aime être avec ma soeur. Non, c'est, ce sont nos gens en fait. Voilà, ils aiment danser. Bonjour la reine Sar, comment tu vas? Je pensais à toi hier dans la nuit. Je me disais qu'il faut qu'elle t'appelle aujourd'hui. Comment tu vas? La reine, ça regarde là où je suis. Je suis dans une plage qui est très très mouvementée. J'aime les plages couvertes de. Oh, je crois que ça c'est pour toi, la reine Christelle. Ils sont en train de. Ils m'ont mouillé. En fait, je n'ai pas peur. C'est pour moi, c'est un peu comme si on s'amusait. C'est un peu comme si tu vois un enfant. Peut-être l'enfant prend l'eau, il verse sur toi. Il t'éclabousse en fait. Tu ne vas pas taper l'enfant. Tu vas jouer, tu vois. Chaque saison de votre vie, ils vont vous... Parfois, vous avez beaucoup de difficultés à l'intérieur de vous parce que vous durcissez.
tu sens que l'esprit en train de te dire telle chose, mais tu durcis parce que tu vas aller dans ta propre, ta voix à toi. Il y a des choses parfois qu'on te dit qu'arrête de faire ça, pas plutôt comme ça. Et vous savez, les blancs ont aussi compris ça. Les blancs ont compris beaucoup de choses. Vous allez pas voir quand j'étais en Europe. Après j'aimais souvent aller voir. Tu vas voir un blanc, peut-être va aller, il va te dire, il passe ses journées à la plage. Tu me vois? Merci beaucoup ma reine. Marie-Sylvie, arrête de vouloir dépendre de quelqu'un. Une reine ne dépend pas de quelqu'un. Arrête d'attendre. Tu es comme quelqu'un, tu es comme une sangsue qui veut sucer. Ignore la personne. Que la personne n'occupe même plus tes pensées. Chacune d'entre nous, chacun d'entre nous a un pouvoir d'attraction. Donc, il faut demander le tien. Quel est ton pouvoir d'attraction? Dans quoi tu dois faire? D'accord, je vais t'appeler la reine Christelle. Je t'appellerai ma reine. Moi aussi, je t'aime. I'm unstoppable. Voilà, je crois que ça, c'est ta vague, tu vois. Allez, envoyez-moi des vagues. Oh my God. Si vous pouviez voir, c'est tellement grand. La reine Christelle, je savais que tu allais m'envoyer une vague. Je savais. Je savais. Oh my God, regardez-moi ça. Oh non. J'aurais pas dû vous demander de m'envoyer des vagues, parce que là... Oh là là. Oh Seigneur, c'est tellement bien. Oh, ok, j'ai compris. Vous voyez? Je risque, la maison est en train de couler. Oh là là, je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la joie. Ah, oh, merci le roi Wafo. C'est ce naturel. Oh là là, j'ai tellement de joie dans mon cœur. Oh my days. Oh, ah, je sens tellement de joie en moi. C'est comme si mon cœur va exploser. Waouh. Ça, c'est pas pour les enfants. Hein. Ce qui se passe ici, c'est pas pour les enfants, ok? Les enfants, allez vous coucher, déconnectez-vous du direct. Voilà, si vous quittez, voilà. Vous allez trouver que ceci, c'est boring. Vous allez trouver que c'est ennuyeux. Vous allez trouver que c'est ennuyeux. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai demandé des vagues et là, ils m'ont envoyé des vagues. Ah, franchement, déjà que j'ai des sirois et des sirènes ici. Non, franchement, j'ai senti votre énergie. J'ai senti ça. Merci. Oh my God. Vous savez, quand on donne, on ne peut que recevoir. C'est ça. Et quand tu donnes, ce n'est pas forcément financier. Ce n'est pas forcément que... Tu peux même donner à quelqu'un sans qu'il ne voie. Tu restes, tu bénis quelqu'un, tu pries pour lui, tu lui envoies de l'énergie positive. Là, par exemple, je pense à une personne. T'envoie de l'énergie positive. Je t'assure, on va te complimenter le jour là. Oh, tu es belle. Oh, waouh. On va te donner des choses sur l'hiver. C'est ce que tu as donné le matin. Oh, merci la reine. Ma reine Christelle.
Oh my god, je me sens flotter en fait. C'est comme si on m'a drogué. C'est comme si je peux planer. Et ceux qui ressentent ça très fortement, je pense que vous avez une connexion avec l'eau. C'est ça qu'ils me disent de vous dire. Si vous sentez vraiment beaucoup de joie dans vous là maintenant. Vous voyez, regardez comment je suis submergé, envahi par l'eau. Waouh. Il y en a parmi vous que je ne vous ai jamais vu physiquement. Hein. Mais je sais que chaque soir là, on est ensemble. On mange le maïs ensemble. Vous allez vous reconnaître. On mange le maïs avec la prune. Eh Seigneur. Maïs prune. Et on avait attendu de se rencontrer dans le physique. Et ça se fera dans le temps. Mais Facebook nous permet déjà de nous parler. Et puis WhatsApp aussi. Donc je vous envoie de l'amour pur aujourd'hui. Oh, tu es dans la joie. Je vous envoie de l'amour pur ce matin. Je vous envoie de la lumière. Je vous envoie de la lumière. Il y a beaucoup parmi vous, vos dons se sont activés, vos pouvoirs dans les bras. Je sens beaucoup d'entre vous, vos bras. Vous sentez comment ça... C'est comme si le muscle est en train de vibrer. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Les bras et les mains. Le grand matin. Merci pour les cœurs. Donc, vous êtes en train de vous activer. Vous êtes en train de vous activer. Certains, il y a des décisions que vous hésitiez à prendre. Vous allez prendre, vous devez couper en fait avec certaines personnes. Des contrats que vous avez commencé ou bien vous avez dit que vous allez faire. Mais là, ils vous ont confirmé, vous devez arrêter avec eux. Donc, allez et faites-le. Je sens comme si je dois vous donner de l'air. Je dois souffler sur vous. Ça, c'est un truc que je ressens. Ok. Je souffle sur vous la paix. Quand je vais souffler, je vous mets des petits cœurs. Recevez des petites roses sur votre cœur. Je vais souffler maintenant. Oh my God, la connexion que j'avais vous ce matin. Wow. Il y en a parmi vous qui ont été activés. Il y en a parmi vous, vous avez été activés. Il y en a parmi vous, vous avez envie de chanter, vous avez envie de chanter carrément, je sais pas, c'est comme si vos poumons veulent se relâcher en fait. Si vous pouvez aller quelque part, prenez un oreiller, criez dans l'oreiller, je sais pas quoi, vous avez besoin de faire un cri très fort, genre, ah, bon, ma voix, vous avez besoin de faire ça. Certains, vous avez besoin de parler en langue, relâchez ça, il y a beaucoup d'énergie en vous qui doit sortir dans la bouche. Certains, vous allez chanter en langue, genre, et c'est comme des vagues en fait. Waouh! Oh my gosh! Ouh! Oh là là! Oh là là! Les vibrations qui vont sortir de votre poitrine seront comme des ondes guérissantes ou guérisseuses. Choisissez le mot que vous voulez, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et ce sera comme une vibration qui va guérir la terre. Je vois en fait ces ondes comme des choses qui sortent et ça guérit carrément. Là, littéralement, ça guérit la terre. Je vois le globe qui reçoit des ondes magnétiques qui viennent de vos poumons. Voilà. Donc, on me demande de bénir l'eau aussi. Je bénis cette eau, je restaure l'équilibre de la faune de cette eau. Je déclare que tout abus sur les poissons qui est fait dans cette eau est annulé. Toute personne qui abuse de cette eau, je viens lancer maintenant qu'on t'expose et que ton travail que tu as commencé pour abuser de cette eau négativement soit arrêté. J'envoie de l'énergie positive à cette eau. S'il y en a qui ont... Je vois la maladie, je viens guérir toute maladie qui est dans cette eau. Je mets de la pureté, je mets de la bonté, je mets de l'abondance.
si vous avez été mis en colère par des mauvais sacrifices qu'ils ont faits. Je viens mettre la restauration, j'apaise vos cœurs. Waouh! Si vous voyez la grosse vague qui s'est levée. Oh my God! Merci. Regardez, je suis submergée d'eau. Je vous guéris les poissons. Vous voyez. Parfois, il y a des choses dans votre ville qui ont besoin d'être guéries. Oh, waouh. Ah. Ouf. Que les âmes sœurs se connectent. Que ceux qui sont séparés par la mer de leurs des personnes qu'ils aiment se reconnectent. Je vois des mamans qui sont séparées de leurs enfants, des maris qui sont séparés de leurs femmes. Que vous soyez reconnectés. Et que les âmes des personnes qui sont mortes dans cette eau soient apaisées. Que vous puissiez transitionner vers la prochaine étape de votre destinée, de votre marche. Je remplis et je charge cette eau de positivité, d'amour. D'amour, je mets de l'amour dans cette eau, je mets de l'amour, je mets de l'amour, je mets de l'amour, je mets de l'amour, je charge cette eau d'amour, d'amour. Que cet amour se répande sur cette ville, je bénis la ville de Libreville. Je bénis la ville de Libreville, je bénis Libreville. Je restaure tout le mal qui est en train d'être concocté. Je bénis cette ville, je bénis Libreville. Wow. Merci, merci. Je viens fortifier les sirois et les sirènes. Vous avez été très attaqués récemment. On me montre. Oh my God, wow. Oh my God. Oh Seigneur. Ouh. Vous avez été très attaqué et vous aviez des douleurs dans votre chair que vous ne pouviez pas expliquer. Il y en a, vous avez le don de la parole, vous chantez peut-être, ou bien vous avez une page où vous parlez aux gens, ça les motive. Et vous avez été très attaqué, on a comploté contre vous. Je vois, oh, je vois des flèches dans votre dos. Je vois beaucoup de flèches dans votre dos qui sont accumulées. Ok. Si vous pouvez, déposer votre main sur votre dos, carrément. Mettez la main sur le dos. Je reçois ta bénédiction, ma reine. Mettez la main sur le dos comme ça. J'ai ma main dans le dos, comme ça. Je m'accorde avec vos anges et nous venons transformer ces flèches en vos ailes. En des ailes, les ailes. Il y en a parmi vous, vous êtes les mentors de grandes personnalités. Vous êtes connectés à des personnes qui ont beaucoup d'argent, des personnes qui sont très connues. Vous particulièrement, vous n'êtes pas directement sur les feux de la lumière. Mais, les projecteurs, pardon. Mais, vous avez une très grande influence sur les personnes qui parlent dans le monde entier. Et vous avez été aussi attaqué. Waouh! Oh my God! La vague, c'est là, veut seulement me prendre. Regardez-moi ça! Oh my God! Je suis sur un tronc d'arbre qui est incrusté dans le sol. La vague était tellement grande que ça a bougé le tronc d'arbre. C'est pour ça que j'ai crié.
Oh God, c'est quoi, le travail spirituel qu'on a tout de fait est très intense. Ok. Bon, ils me disent de vous dire que vos flèches sont en train de se dissoudre, ça fond. Je vois carrément des flèches et des sangsues. Oh my God! Oh fuck! Je suis en train de voir des trucs dans le spirituel, c'est dégoûtant. On a mis des sangsues dans votre dos qui vous suçaient de l'énergie. Oh my God! C'est dégueulasse. On a mis des sangsues dans votre dos. Et vous ne saviez pas pourquoi, mais vous vous vidiez de votre énergie. Oh là là. Ils me disent de vous dire que... Oh là là. On vous a fait beaucoup de mal. En fait, vous êtes comme quelqu'un oh là là, qui prend beaucoup sur lui. Ok? Vous prenez beaucoup sur vous. Et vous avez encaissé beaucoup. Donc, ils sont en train de vous guérir. Je vois en fait comme si on passe... Vous savez que pour tuer la sangsue, tu prends... Bon, moi, ce que je vois dans ma tête, ils sont en train de prendre comme un charbon. Et ils sont en train de passer ça sur votre dos. Donc, certains vont sentir comme si leur dos chauffe. Certains vont sentir de la chaleur intense. Certains vont sentir des picotements. C'est comme si... Je ne sais pas trop, mais... Oh my God. Oh là là. Les vagues qui sont en train d'arriver là. Oh, Jesus. Je viens ici tout le temps. J'ai jamais vu ce genre de vagues. Ils sont en train de vous guérir. Et ces sangsues sont en train de tomber. C'est en train de tomber. Et je vois maintenant votre peau. Votre peau est en train de se... C'est comme si un processus de guérison qui est accéléré. Tu vois comme Superman. Voilà, Superman. Quand Superman se blesse, il guérit instantanément. Donc ils me disent que ces sangsues sont tombées. Et... Deuxièmement, votre peau est en train de guérir. Troisièmement, vos ailes sont en train de pousser. Voilà. Voilà les trois choses qui sont en train de se passer. Voilà. Oh là là. Si je touche quelqu'un en même temps, il sent que... il va être électrocuté. Je sens tellement d'énergie. Ok, qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Voilà. Voilà. Vous avez été beaucoup... je vois, ok, c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un au milieu de l'eau. Tu es une reine. Tu connais déjà comment ça se passe, ça fonctionne. Mais c'est comme si on a attaqué ton trône. On a attaqué la plateforme sur laquelle tu te tenais. On a attaqué. Et bon, on me dit de dire, je le dis, hein, franc-maçonnerie, ok. Donc, tu es en train d'atteindre un niveau, tu as atteint un niveau, une sphère où tu déranges ces gens. Et il y a une attaque qui s'est faite sur ta plateforme. J'entends le mot plateforme. Donc, ils sont en train de te restaurer. Oh my God, oh my God, oh my God, oh là là, oh là là, oh là là. Je suis mouillée. Oh, ok. Je vais seulement continuer. Bon. Ils sont en train de restaurer ta plateforme. Ok. Deuxièmement. Oh, Seigneur. Oh, my God. Les vagues qui sont en train de venir là. Ils sont en train de restaurer ta plateforme. Deuxièmement, ils sont en train de t'ancrer plus profondément qu'avant. Donc, quand tu as commencé... les pouvoirs que tu avais au début ne sont pas pareils que les pouvoirs que tu es en train d'activer. C'est ce qu'ils me disent de te dire. Vous voyez ça. Ceux qui étaient au début du direct, vous savez qu'au début de ce direct, l'eau n'était pas ici. L'eau, c'est le fait qu'avancer. Donc, peut-être que vous allez entendre qu'il y a eu marée haute et que l'eau a envahi le goudron à Libreville aujourd'hui. Je ne sais pas. Bon, continuons. Ils sont en train de t'enraciner plus profondément que tu n'étais avant. Et que tu es comme un antidote. Voilà.
Le fait que ces gens-là t'aient attaqué, ok? Ce que ça a fait, c'est quoi? Oh my God, ça t'a donné l'antidote pour aller soigner les autres personnes. Vous voyez, il y a souvent les films qu'on regarde, non? On dit que si quelqu'un a été attaqué par la maladie et après il a été guéri, maintenant on peut prendre son sang, on va faire l'antidote avec. Donc, ma reine, on me dit de te dire que tu es devenue l'antidote. Tu es devenue l'antidote. Et je vois aussi comme des tentacules. Le domaine que tu vas toucher, c'est en train de s'élargir. C'est en train de s'élargir. Avant, c'était juste la cour de récré. Maintenant, tu passes dans la cour des grands. Et tu as toujours su que ce moment arrivait. D'ailleurs, quand tu traversais cette période d'attaque, tu savais que ça allait passer, mais tu ne savais pas à quel moment ça allait s'arrêter. Donc, tu es un antidote. Voilà, ça c'est la parole de quelqu'un aujourd'hui. Pour une autre personne, tu vas transformer les choses à ta façon. Donc, tu vas écouter ce que je suis en train de dire. Tu vas peut-être être inspiré pour aller faire ta part de vidéo. Mais quand tu vas faire ta part de vidéo, tu vas parler à ta façon. Parce qu'il y a les choses en toi qui ne peuvent se manifester qu'à ta façon. Bon, ils me disent aussi que certains d'entre vous, vous doutiez beaucoup de vous avant. Genre, est-ce que j'ai même le pouvoir si? Est-ce qu'il peut même faire ça? Maintenant, ils me disent de vous dire de regarder les coïncidences qui se passent quand vous arrivez quelque part. Les coïncidences qui se passent quand vous priez pour quelqu'un. Et de vous dire que ce ne sont pas les coïncidences. On me dit de vous dire que ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des preuves de votre pouvoir. Certaines personnes ont beaucoup douté de toi. Quand tu commençais tes services, les personnes-là riaient. Ils ne sont jamais venus. Maintenant, ces personnes vont t'appeler. En fait, tu connais que tu as percé quand tu as ta tante qui t'appelle pour dire que j'ai besoin de traitement. Bon, on me dit aussi de vous dire que certains d'entre vous, vous êtes immunisés. Voilà, vous voyez. Voilà ce que je vois à la plage là maintenant. Immu. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes l'antidote, non? Je vous ai dit que vous êtes l'antidote. Vous voyez? Immu. Vous allez apporter l'immunité à beaucoup de personnes. Vous allez immuniser beaucoup de personnes. Voilà le papier qui vient de se poser à côté de mes pieds là maintenant. Donc beaucoup de personnes qui vous ont minimisé là au départ, les membres de votre famille, les personnes comme ça, ces personnes vont maintenant faire appel à vous. Elles vont faire appel à vous. Ce n'est pas toutes ces personnes, ce n'est pas tout le monde qui viendra à vous que vous allez soigner. Parce que ces personnes vous observaient depuis, ils ont essayé de vous attaquer. Ils ont essayé de vous faire diminuer, ils ont essayé de vous ralentir. Maintenant, ils comprennent que comme ils ne peuvent pas vous arrêter, il faut qu'ils viennent maintenant vous voir. Je vous remercie. Vous voyez ça? Vous voyez? Quand il va parler mes choses, vous allez dire que l'offrande qu'on va faire à l'eau aujourd'hui, mof, ce sera la chimamelu, ce sera la pâte. Aïe, aïe, aïe. Je sens que on va faire le tsunami ici là aujourd'hui.
Bon, je dois y aller maintenant. Dernier mot. Vos pouvoirs sont en train d'augmenter. Vos pouvoirs sont en train d'augmenter une dimension. I'm unstoppable. I'm a tension with no brain. I'm so powerful. Everything is in no way. I'm so confident. I don't need batteries to play. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Certains d'entre vous, vous devez accepter. Hein. Vous devez accepter, vous devez vous rendre à l'évidence que vous êtes une femme de l'eau. Voilà. Voilà. Donc vous devez accepter aujourd'hui. Il y a un peu de dire que est-ce que peut-être que nini. Voilà. Ok. Bon. Bonne journée. Bye. Dites-moi bye. Dites-moi bye. Unstoppable today. Unstoppable today. Maman, était ici à l'eau, ça fait 3 jours. Le Jacques l'eau. Hey. Aujourd'hui là, c'est seulement un autre degré. Jesus. Je vous remercie. Merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci pour les bails. Bye aussi à vous. La reine Amel, comment tu vas? Tu es toujours très courtoise quand tu arrives dans mes directs.